Vous l'aimez, Pierre Palmade. Avec le Scrabble et 19e. Alors, non, Liliane, Ox, ça n'existe pas. Oui, non, d'accord, ça aurait fait 30 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Et Xo non plus, d'ailleurs. Hein. De toute façon, c'est sûr qu'avec ta gueule, on peut pas aller bien loin. Hein. Quoi? Mais non, je dis simplement que t'as mis gueule en travers du jeu, ça bloque tout le monde. Tu fais de l'anti-jeu, Liliane. Chaque fois, c'est la même chose. Bon, bah joue, Alexandre, qu'est-ce que t'attends? Il est comme ça, il est comme ça. Érection? Non, insolaire. Eh ben, t'en enlèves, hein. Comment tu connais ce mot, toi, d'abord? Comment il connaît ce mot, lui, d'abord? Ah ben, dis donc, à 11 ans, ça promet. Bon, bah, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 pour Alexandre. Hein? Mon compte double? Bon, bah, 22 pour Alexandre. Ça va, tu veux qu'on ouvre une bouteille de champagne? Bon, allez, à moi. Bon, alors déjà, j'ai que 6 lettres, c'est pas normal. Véro, passe-moi une lettre. D'accord, la prochaine fois, je la choisirai moi-même. Bon sang, il me manque un M et un T, et je faisais mijoter avec l'érection d'Alexandre. Pourquoi tu ris, toi? Ah oui, c'est vrai, t'es en peinage bête. Ah oui, d'accord. Oui, ça arrive, 2 secondes. T'as un train à prendre? C'est un jeu de réflexion. Alors moi, je réfléchis. Bon, bah, puisqu'on me presse, je fais le LE. Voilà, ça me fait 2 points. ça va, la partie est pas terminée, hein. À toi, Liliane. Liliane, on est là. Kawax. Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Liliane? Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot, mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Kawax, ça n'existe pas, Liliane. Hein? Oui, bah, tu l'as entendu, mais écoute, je sais pas... Peut-être pendant nos vacances à Dakar. Ça veut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais. Mais... En tout cas, en français, ça veut rien dire du tout. Bon, allez, fais voir tes lettres. Je triche pas, je l'aide. Votre pauvre mère, vous croyez que c'est drôle pour elle? Elle joue au Scrabble et finalement, elle se rend compte qu'elle parle beaucoup mieux sénégalais que français. Oh, ben on peut rire un peu, non? Eh ben, le prends pas comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Mais on n'a pas dit que t'étais nul. Mais pourquoi tu te mets dans cet état-là? Bon, allez, les enfants, dites à votre mère qu'elle n'est pas nulle. Eh ben, dites-le. Bon, ben, tu vois, même les enfants, dis alors. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver avec ces lettres, hein? Eh ben, t'as... Eh ben, t'as... Eh ben, t'as Vaker, W-A-K-E-R. Bien sûr que ça existe. Véronique, ta gueule. Vaquer, c'est du vieux français, déjà. Et ça veut dire, ça désigne un objet qui n'existe plus, d'ailleurs. Mais le mot existe toujours. Voilà. T'as jamais entendu l'expression « fier comme un vaquer » Non? Ben écoute, ça fait rien. Mets ton mot, compte tes points. Et Alexandre, joue. Bon, alors Alexandre, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Non, fellation, ça s'écrit pas comme ça. Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, toi? Oui, ben c'est pas ici que t'apprends des mots comme ça, hein. Si, oui, c'est français. Joue pas au con avec moi, s'il te plaît, hein. Toi, tu nous trouves un autre mot, s'il te plaît. Bon, alors. Sucre? Oui, t'as oublié le R. Tu le rajoutes. Oui, oui, oui. On a vu, mot compte double. D'accord, on va pas le prendre en photo non plus. Alors, à moi. J'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, hein. J'ai pas eu beaucoup de chance. Bon, ben, je change toutes mes lettres. Si, j'ai le droit. Vous n'allez pas m'apprendre les règles du Scrabble, vous. Je change mes lettres et je joue.
Quoi? Si je joue. Non, je suis pas obligé de passer mon tour. Non, 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 on n'est pas obligé de passer son tour quand on change les lettres. Non, c'est pas vrai, ça fait 20 ans que je joue au Scrabble, j'ai jamais passé mon tour quand je changeais mes lettres. Parce que... je... triche. Ça fait beaucoup de peine ce que tu me dis là, Véro. Liliane, avec ton vaquer, tu l'as merveilleuse. Hein. D'accord, je passe mon tour. À toi, ma fille. Peut-être que je triche, mais moi, mon bac, je l'ai eu du premier coup. Non, non, ça n'a aucun rapport, c'est pour parler. J'ai horreur qu'on me traite de tricheur, c'est tout. Mais c'est pas grave, vas-y, joue, joue, joue. Mets-nous un de tes mots barbares. Trinôme. Ok. Je t'avertis tout de suite, on se fout complètement de savoir ce que ça veut dire. Alors, Liliane, dans la série J'invente des mots, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon. Mais tu sais que ça existe, ça, Liliane? Mais c'est super, ça, Liliane. En plus, avec des lettres comme ça, tu vas avoir plus de points que ton mari et je vais être le dernier. Mais je m'en fous, parce que comme je triche, je vais vite rattraper tout le monde, comprenez? Ça, c'est l'avantage du tricheur sur les gens honnêtes. Alors, Alexandre, ton nouveau mot, c'est quoi? Bite, nichon, couille. Oui, je sais, je suis de mauvaise humeur, oui. Parfaitement, je suis de mauvaise humeur. Et si vous continuez à m'emmerder, je sens que je vais tout envoyer balader. Eh ben d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Allez, hop, voilà, tiens. Oh, qu'il est joli, le Scrabble. Voilà, bonne fin de dimanche à tous. Papa va à la pêche. Ah.